Mais Katina vient de montrer à la face du monde ce qu'ils étaient en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser notre pays. Sinon, comment comprendre qu'on aille jusqu'au Burkina Faso apporter du soutien à un régime issu de coup d'État. Mais Katina doit rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire de la mission qu'il allait faire au Burkina Faso. Et regardez même en France. Lorsqu'on va à des élections, qu'on voit le Front National en train de prendre des proportions importantes, qu'est-ce qu'on fait? Toute la nation se retrouve pour dire qu'on ne veut pas que de telles idées-là soient propagées dans notre pays. Mettons-nous ensemble pour contrer la barbarie. Mettons-nous ensemble pour contrer le Front National. Mais chez nous, dans notre pays, quelqu'un se lève qui nous attaque, qui dit des choses et on est sur le compte de notre régime. Et des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'opposition, se lèvent. Ils s'en vont pour leur apporter du soutien. Donc moi je pense que Katina mérite d'être entendue.